C'est comme une faille dans l'espace-temps. Dans un bazar de Moscou se trouve un bout d'Afghanistan tel qu'il existait il y a 30 ans. Bienvenue à Sébastopol. Sébastopol, c'est le nom de ce bâtiment, une ancienne barre d'immeubles d'habitation transformée en centre commercial géant. Nous sommes ici au cœur de la diaspora afghane. Toute la communauté regroupée entre quatre murs, un dédale de couloirs vertigineux jonché d'échoppes de quincaillerie et d'objets souvenirs. Ici, impossible de filmer sans autorisation. Nous sommes donc escortés de près par Atik Rakhini, directeur improvisé de la communication. Les gens savent qu'ici, les produits sont 10 à 15% moins chers que sur le marché. Ce bâtiment n'est pas qu'un centre commercial hors d'âge. Il est la seule et unique ressource des Afghans de Moscou. Livreurs, chargeurs, petits commerçants, ils sont près de 8000 à se croiser ici chaque jour. Une fourmilière entièrement autogérée, les Afghans de Sébastopol ont leur école, leur boulangerie, leur mosquée. Sébastopol, c'est une ville dans la ville, dirigée et hiérarchisée comme un véritable État. À sa tête, il y a un président. Dans son bureau, une fois par semaine, c'est ambiance Conseil des ministres. On est une diaspora autonome et organisée. On œuvre à entretenir notre culture. On a tout d'un gouvernement. La seule chose qui manque, c'est une armée et une monnaie. Pour comprendre comment fonctionne cette communauté, il faut repartir 33 ans en arrière, en Afghanistan. En 1979, les chars russes envahissent le pays. Sur fond de guerre froide, l'Union soviétique ne veut surtout pas perdre son influence dans la région. Durant 10 ans, le conflit fait rage face à la résistance des Moudjahidines. 10 ans durant lesquels une partie de l'élite afghane collabore avec les soviétiques. Après la défaite de l'armée rouge en 1989, cette élite est chassée du pays. Nous la retrouvons ici, dans le bureau du président de la diaspora de Moscou. Tous dans cette pièce ont été généraux, gouverneurs de province ou universitaires. Là-bas, désormais, on les appelle les collabos communistes et personne ne souhaite les voir revenir. Ça fait 15 ans qu'on explique qu'on n'est pas des communistes. Nous n'avons jamais eu ces idées-là. Nous sommes juste des patriotes. Tous ces hommes ici ne peuvent pas servir l'Afghanistan. C'est dommage. C'est un vrai gâchis et c'est vraiment rageant. En exil forcé, ces anciens hauts responsables ont recréé leur petit Afghanistan. Ils ont dû faire avec ce que la Russie leur offrait, c'est-à-dire pas grand-chose, mis à part la liberté de s'autogérer. Ils ont trouvé une niche, le business des babioles made in China. C'est ainsi que l'ancienne intelligentsia afghane s'est reconvertie dans la quincaillerie. Je suis triste. Moi, j'étais professeur, j'étais fier d'enseigner aux jeunes générations. En Afghanistan, il y a 150 ingénieurs que j'ai formés qui travaillent encore là-bas. Ce n'est pas une question de salaire. Mais j'aurais voulu continuer à servir mon pays. Dans la boutique d'à côté, le commerçant n'est autre qu'un ancien présentateur de la télévision d'État afghane. Pour lui, la Russie est un refuge. Quand on nous demande ce que représentent les Russes pour nous, nous on répond c'est comme un grand-oncle. On est venu habiter sous le même toit que notre oncle. Pour nous, c'est comme une deuxième patrie. Tous ces commerçants décrivent la Russie comme le meilleur des mondes. Pourtant, le pays n'est pas franchement réputé clément avec ses immigrés. Russie et Afghanistan sont la même chose pour nous. On est tout à fait d'accord avec la politique de Poutine en matière d'immigration. Ici, on est libre et indépendant, on fait ce qu'on veut. Un discours de connivence qui a de quoi surprendre. La raison ? Ne surtout pas froisser les autorités russes qui tolèrent le business quelque peu opaque de Sébastopol. La journée s'étire et Atik nous balade dans un univers de farce et attrape. Depuis que nous sommes ici, un truc cloche.
nous n'avons toujours pas vu l'ombre d'une femme afghane à Sébastopol. Pour les trouver, il faut en fait grimper au dernier étage du bâtiment, car la direction de la diaspora leur interdit de travailler dans les boutiques. Kouveda Baiweri est la présidente de la section des femmes. À Kaboul, elle était députée et grande militante de la cause féminine. Menacée par les talibans, elle a fui il y a 2 ans. La plupart de ces femmes sont à Moscou depuis 15 ans, mais elles ne parlent toujours pas la langue. Un repli communautaire auquel voudrait mettre fin Kouveda, qui a créé ses cours lorsqu'elle est arrivée. Entre femmes et en l'absence des chefs, la parole se libère. Ici, l'accueil des immigrés dans la société russe est perçu de façon radicalement différente à celle des hommes. Protégées d'une vie hostile, mais cantonnées loin de l'activité des hommes, pour ces femmes, les murs de la communauté sont un refuge bien précaire. Un constat amer pour Kouveda Baiweri. Ce soir, nous la raccompagnons à la maison. Son fils et sa fille l'y attendent. Tous trois ont fui Kaboul dans la précipitation. Là-bas, son statut de député et son engagement auprès des femmes n'étaient pas du goût des talibans qui gangrènent le pays. Pour l'aider à payer le loyer, son fils de 17 ans travaille 7 jours sur 7 à décharger des camions. Pourtant, c'est un petit génie. Il parle 7 langues d'Asie centrale et était promis à de grandes études de médecine. Depuis 2 ans, il n'a pris que 2 jours de vacances. Quel avenir alors pour la jeunesse afghane de Moscou, si ce n'est Sébastopol? Le lendemain matin, retour dans les couloirs du Grand Bazar. À l'étage des femmes, il y a aussi leurs enfants, à qui elles apprennent à parler afghan. La plupart de ces bambins sont nés à Moscou, vont à l'école à Moscou, mais ils savent déjà que la Russie n'est pas leur patrie. L'afghan est notre langue. On doit le comprendre, le lire et l'écrire. Quand on rentrera à Kaboul, si on parle mal, on nous dira qu'on n'est pas afghan mais russe. Le retour au pays, une idée fixe pour cette communauté de bannis. Il est vrai que vu de derrière les persiennes de Sébastopol, la Russie paraît si loin.